Ici se trouve l'un des plus célèbres laboratoires de reconstruction faciale. Philippe Frösch a modélisé le crâne d'Agnès Sorel à partir des os de la favorite, exhumé par le médecin légiste, le docteur Philippe Charlier. En 2004, à Loches, le tombeau de la favorite est ouvert. Philippe Charlier découvre alors, dans cette urne, ce crâne, à partir duquel Philippe Frösch a pu travailler. Qu'est-ce que tu as trouvé comme autre particularité? On remarque que le coin externe des paupières est placé assez haut, donc c'est ce qui nous donne ces yeux félins. Mmh. Presque un petit peu bridé, pour le coup, qui remonte un petit peu vers le dehors. Ça fait tout drôle de la revoir, comme ça. Grâce à la science, un petit miracle se produit. Agnès Sorel apparaît sous nos yeux. On la voit un petit peu comme Charles VII, vous voyez, c'est quand même un beau bond dans l'histoire. On voit le visage qu'il y a derrière le crâne, c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. On a l'impression de remonter un petit peu le temps.